Bonjour à tous et messieurs, c'est les stats et on se retrouve sur Alaskan Truck cette fois-ci on va faire un petit convoi de chariots élévateurs. Il est en mode difficile, j'ai plus de 10 heures de route à faire, j'ai quasi plus d'essence, il faut que j'aille chercher de l'essence. Tac. Voilà, pourquoi ça marche pas? Ah merde, j'ai oublié, je crois, c'est ça que j'ai oublié en fait. Et en plus, j'ai débloqué. Merde, il veut pas? Ah non, d'accord, ok. Et j'ai débloqué aussi le permis B que j'ai débloqué. Du coup, j'ai beaucoup plus de missions. Avec des convois un peu plus intéressants en fait dans le jeu. Alors j'ai dû faire n'importe quoi, je pense. Ah voilà. Par contre, il fallait que je le baisse. Alors il n'y a pas de level. Ok, d'accord. Il n'y a pas de levier. Et du coup, il ne manque plus qu'à rebrancher les câbles. Ok, attends, j'ai un petit problème avec le cours. C'est bon? Non, j'ai un problème, pourquoi il veut pas? Ah, attends, il y a un petit problème, je pense. On va faire un truc. Alors pareil, il y a une mise à jour hein, qui vient corriger en fait le plantage du jeu quand on allait dans les camions sur l'ordinateur dans notre base. C'est-à-dire ça s'est réparé, ça c'est cool. Du coup le jeu il plante plus. Voilà, j'ai un petit problème à mon avis je pense au niveau des câbles. Pourquoi il veut pas? Dingue ça. Il manque un truc, je pense. Pourquoi il veut pas? What? Ah, attends. Un chien. Ah, ok, d'accord. Moi, ouais, c'était moi qui s'était gouré. Ne vous inquiétez pas, c'était moi qui s'était gouré. J'ai cru en fin de compte que j'avais pas abaissé le. La remorque en fait. Donc du coup c'était ouais, c'est bon, qui a fait un peu n'importe quoi. Bah du coup on a perdu un petit peu de temps. Let's go, on y va, on a branché les câbles et maintenant on peut y aller. Alors voici mon nouveau camion du coup, j'ai un peu voilà, j'ai mis un peu des skins dessus. Comme ça change un peu. Ah si, il faut faire quand même. Ah, le appuyer. Ah si, il faut faire un truc quand même. Ah si, il faut le faire quand même. Je croyais qu'il fallait pas le faire quand même ici. Ah oui, parce qu'elle est posée par terre. Oh là là, le con. D'accord, c'est bon. C'est bon, normalement, c'est bon, il n'y a pas de problème. Il y a juste qu'il faut que j'aille chercher en fait de l'essence parce que j'ai plus d'essence. Du coup, est-ce qu'il y a une station d'essence pas loin? Non, moi, il doit en avoir une. On va faire ça, non, plutôt ça comme ça. Ça sent l'essence. Ah! Il y en a une là. On va aller d'abord là-haut et après on va faire la route. Tac. Du coup, je vais enlever ça. Et on y va, let's go! Et on sort par où? On sort par là, ok, d'accord. Je crois que je vais faire le tour. Let's go!
Allez, c'est parti. Allez, parti. On est reparti pour aller chercher de l'essence. Bien. Aller sur les deux en fait, d'accord, ok. Ok. Je pense que je vais me gasser. Ah ben voilà, j'ai fait le plein à top 10, nickel. Alors du coup... Allez, reparti. Faire des tours.
vais essayer de me grouiller parce que j'ai pas mal de route à faire. J'ai perdu un peu de temps à prendre de l'essence. Wesh, je peux jamais me prendre une amende. Il y avait des flics. Katy Perry. Ah merde, c'est de l'autre côté. Je me suis trompé. Ah merde, comment je vais faire? Attends.
Ah merde. Ah zut. Mais lâche pas. Comment ça se fait que j'ai pas ma tronçonneuse? Ça se voit. Ah, j'ai plus ma tronçonneuse! Merde! Bah. Ampoule, caméra. Ah merde, je l'ai plus! Bah, je l'ai foutu où? Bon, c'est pas grave, j'ai plus de tronçonneuse. J'en avais une, mais j'ai plus, je l'ai foutu. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. De toute façon, on peut passer sur le côté normalement, mais j'ai plus de tronçonneuse en fait. Faut que j'en rachète une. C'est pas grave, on va passer à côté. Ah, j'ai peut-être pas barré la passer avec ça. J'ai plus de ma tronçonneuse, dingue, je l'avais en plus. Ça passe? Ouah, ça passe. Ça passe, c'est bon. Ça a eu de perdre trop de temps, mais... Mais je sais bien que j'avais une tronçonneuse, mais je sais pas qu'est-ce que j'en ai fait. C'est dingue que j'en avais acheté une au début du jeu. Alors je sais pas, enfin j'en rachète une autre du coup. Parce qu'en plus ça j'ai débloqué la compétence tronçonneuse et... Faut que je m'arrête à un magasin en fait. Bon j'ai perdu du temps, faut vraiment que je fonce. Hein. Parce que j'ai pas encore plus de 430 km à faire. Je vais essayer de rouler à fond ici.
Vraiment, je rachète une tronçonneuse. Hein. Merde. Je vais voir s'il n'y a pas un magasin parce que ça me suit, je pense. Faut essayer de trouver un magasin. Oh, j'ai pas beaucoup de temps, c'est ça qui est chiant. Alors, on va voir si un petit magasin dans le coin. Je suis ici. Il y a un magasin qui est là. On essaie d'y aller. Et là, du coup, on avait commencé le jeu en été, et là, maintenant, on arrive en automne. Ah mais je suis con, il y a peut-être un truc là, non? Attends, j'allais voir. Je sais pas si dans le magasin, au pire ça m'arrangerait. Comme ça j'irai plus tôt. Il me faut une tronçonneuse. Ah salut madame. Essuie-glace, caméra, boîte à outils, huile moteur, liquide. Non. Putain, on n'a pas. Elle a rien en fait. Je sens que je vais pas arriver à l'heure. Hein. Je sens que je vais pas du tout arriver à l'heure. Il y a un magasin qui est juste au droit.
Putain, 5h30. Oh là là, je vais pas y arriver. Là, après, faut que je trace. Hein. Franchement, faut que je trace. Ah, tronçonneuse. Attends. Tronçonneuse. Oh, enfin. Voilà, tac. Putain. Allez, on se casse. Allez, c'est reparti. Là, par contre, faut que j'ai intérêt à tracer rapidement, sinon je suis hyper emmerdé. J'étais en retard sur mon timing. Non, à mon avis, j'étais en retard hein, avec tous les ralentissements, les problèmes que j'ai eu sur la route. Fait chier. Bah on speed là. Il faut vraiment que je speed. Hein. Parce que j'ai beaucoup de route à faire. Tant pis si je me prends des PV, mais je crois que faut vraiment que j'accélère. Hein. Let's go. Et on y va, on trace. On trace. Running a radio station isn't cheap these days, so why not support us today at ko-fi.com/truckstopradio. That's ko-fi.com/truckstopradio. Thank you. Là je speed, hein, même sur les petites routes, mais sinon je vais pas arriver à temps, c'est sûr. Et un stop en plus. Tant pis. J'ai pas vraiment le choix. Hein. Pourquoi le virage hein? Niveau fatigue ça va, niveau bouffe c'est bon, niveau santé aussi. Ça c'est une montagne russe, non? Ça monte, ça descend. Là c'est 200 km à faire en 4 heures. Ça va être chaud.
fatigué. Bon, c'est fatigué, mon bonhomme. Zut. Salut les flics. Alors, on va tipper le poney. Je sais pas s'il y a des points sans intérêt, s'il y a des points d'intérêt ici. Je regarde un peu. Ah, il y en avait un avant, merde. Il y en a un juste là. Le mémorial ancien des combattants. Ah, oh, c'est un trophée, ça. C'est un trophée. Putain, je tombais plus dessus par hasard, disons. Je pense que c'est un parking qu'il y a sur... C'est ici, apparemment il y a un truc là. Ça va être là je pense. Je me casse. Voilà, c'est là. D'avoir un mémorial quelque chose. Non, c'est pas là. Ah, ça va être ça. Yes, man, j'ai trouvé. Attends. Pareil, photo. Ah, là le truc. Alors, les mémoires des anciens combattants de l'Alaska est un monument qui rend hommage au service et au sacrifice des courageux soldats de différentes branches de l'armée. Il y a un, deux, les étoiles et le machin, d'accord, ok. Trophée, un endroit plein de souvenirs, plus de 150. C'est bon, j'ai mon trophée. On se casse. Oh. Ah, je vais peut-être dormir ici, hein, tant pis. Hein. Quoique, non, non, on va pas dormir parce que j'ai pas le temps. Donc, du coup, tu vas manger mon petit. On va manger un petit truc. Hein. Cuir. Ah merde, j'ai rien du tout en plus, c'est pas grave, tant pis. Tant pis, faut qu'on y arrive avant qu'il s'endorme au volant, ce serait cool. Ah, j'ai oublié de remettre le GPS. Oh, je suis bientôt arrivé. Non, moi, si je pide bien, je pense que ça devrait le faire. Est-ce qu'il y a un autre centre d'intérêt? J'aurai peut-être le temps d'en faire un autre. Il y en a un autre qui est ici. Et ça, c'est le pont de la rivière Substina. Un pont a été construit dans la région. Peut-être le pont. Le pont, donc il y a un pont. Normalement, on va tracer un pont, normalement. Pas besoin de mettre un point de repère. Je pense que j'arriverai à trouver ça. Et on y va. Par contre, faut que je speed. Hein. Oh là, c'est... Oh là, attends. Ça, c'est une vraie route de merde, par contre. Nickel.
Bon, tu te bouges, Otaku? 3h49. Il me reste 117 km à faire encore. Ça doit le faire, ça doit le faire. Je sais pas où est le pont. Hein. Ah, ça va être la chance, le pont. Le point d'intérêt, il est de l'autre côté du pont. Ok. Ah ouais, ça fait bon. Par contre, je sais pas si j'ai déjà fait sur. Ah, il y a un point là-haut. On va essayer d'y arriver, voir. Il me semble que j'ai déjà fait, hein. Je suis pas sûr, mais... Je sais plus si je l'ai fait, mais on va y aller voir quand même. Ah, quoi que, peut-être pas. Non, je l'ai pas sûr. Le pont a été construit en 1921, il s'agissait d'origine d'un pont ferroviaire. Mais il est désormais praticable en voiture et c'est inscrit au registre national des lieux historiques. D'accord. C'est bon, j'ai eu mon XP, plus 150, nickel. Oh putain, faut que je me grouille, faut que je me grouille. 3h30 et on a 100 km encore à faire. Allez, on y va. C'est bon. Allez, on y va, let's go. On se casse. Allez, maintenant, c'est ligne droite, je pense. Est-ce qu'il y a un autre truc d'intérêt? Je sais pas, que j'aurais pas fait. Il y a un magasin, on s'en fout. Il y a un centre d'intérêt ici. On va essayer d'y aller, quand même. Ah, Willow. Cool, toi. Willow, comme le chien de ma soeur. Il s'appelle Willow. Appelé Willow comme dans Buffy contre les vampires, hein, pour ceux qui connaissent la série, avec la petite sorcière Willow. So 3h20. J'ai fait encore une pause. Limité à 55. Avec le pauvre jeu au cul, je veux pas aller autre là. Hein. Ça pop pas mal, hein, au niveau des textures encore. Faut qu'il sort quand même un patch au niveau des graphismes, hein, mais... He's just not right for you.
Alors, il y a un truc normalement. Subilo, ah ouais. D'accord. Pourquoi j'ai bouché? Ah, il m'a défoncé le véhicule. Ah, c'est juste pour ça en fait. Mais j'ai pas eu d'XP pour ça, c'est dingue. Non, c'est légèrement derrière moi. Il y a un truc, il y avait un panneau que j'ai loupé, on dirait. J'ai loupé un truc. Ah, là-bas. Il est après le pont. C'est bizarre ce qu'ils l'ont mis un peu plus tôt. Tiens, oh là là, j'ai encore pas mal de choses qui mettent à faire. Ouh. Ah non, je peux pas. Ah, le panneau était là-haut. Ah, merde. Ah, mais d'accord, faut aller là. D'accord, ok, bon, tant pis, on se casse. Bon, oh, non, c'est pas, on va y aller quand même. Oh, je suis en train de perdre du temps. On m'a l'avis, j'ai pas y arriver, hein. Tout ça pour faire une photo. J'ai niqué un peu mon contrat, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Alors, Willow Lake. Ce lac est pittoresque, un peu profond, se trouve près de Willow, un village fondé par des chercheurs d'or en 1097 en hiver, lorsque la surface du lac gèle. Ils accueillent des courses de traîneaux, de chiens et de pique-nique. Cool. Et alors, puissance 50 et on se casse. Là par contre j'ai plutôt intérêt à speeder. Franchement si j'arrive à faire tout ça dans le temps à partir en arrivant à l'heure, j'ai vraiment de la chance. Bon j'ai un peu déglingué ma cargaison mais j'ai 2% de dégâts. Ouais, j'ai mal démarré hein, quand même hein, j'avoue. J'ai mal démarré. Et j'ai mon collègue qui dort. Mais c'est pas le moment de dormir, on est bientôt arrivé donc du coup tu dors pas. Bah c'est tout, on reprend la route. Alors il nous reste quoi à faire encore? Ah ça va, on est juste arrivé, on est arrivé. Normalement ça va être bon. Non c'est bon. Attends, on fera un petit dodo parce que disons. On a fait pas mal de route.
Ah, j'ai trouvé une autre ville. Je gagne de l'XP. C'est bon, ça va passer, c'est cool. Ça, je perds pas de temps. Ah, je suis à 18 km, à mon avis, je suis pas loin, là, de temps. Ah non, je vais sur ce côté-là, non, attends. C'est bon, on est arrivé. Oh, bah, largement d'avance. Dommage que j'ai un peu déglingué ma cargaison. Il va falloir manger un peu parce que il est pas bien. Il grouille, grouille. Bouge! Ouais, je sais pas ce qu'il en est lui. Hein. Ah, j'ai peut-être plein de feu en plus. Hein, j'ai vraiment pas de bol. Hein. Il va se passer? Il va se passer. Merci. Bon, ben voilà, nickel. On arrive, on va déposer ça et ça sera bon. Je la dépose où? Allô. C'est bon, nickel. Oh mais nickel, on peut la déposer en avant comme ça m'arrange. C'est bon, on a fini. On va du coup avoir les sous. Bonjour monsieur. Bon, je vais un petit accrochage malheureusement. Fait chier, pénalité de cargaison à 525 quand même. J'aurais pu avoir 5006 à peu près. Dommage. Ben voilà. Presque 100%. Oh, on va dormir. Il a l'estomac capot, ton collègue. Allez, on fait de dos. On va reprendre des forces parce que là, on a le ventre complètement capot. Cuir, je peux pas le cuire ici par contre. Ça sert à cuire, mais faut que je le cuise seulement chez moi quoi. Cuisson au four. Cuisson au cuir. Ça marche pas ça. Eh non, évidemment. Et évidemment que ça marche pas. Attends, tac. 35. Et là, faut que j'attende.
Faut que je le cuise, ok. Du coup, on va poser ça. Tac, ça c'est bon. On regarde un peu en haut. Ça, j'ai de l'empatricateur filtre. Et là, j'ai plus rien à bouffer. Ouais, faut que je fasse les courses. Hein. Wow. Faut que je fasse les courses. Regarde un peu au niveau des compétences. Je crois que j'ai assez pour débloquer quelques petites compétences. Là, je suis presque au niveau 3. Et là, je peux débloquer un truc. Alors, débloque l'accès au camion de classe 2. Ça peut être sympa. Je vais peut-être faire ça. Yes. On va prendre ça. On sera plutôt pas mal. Tac. Donc voilà, on voit un peu au niveau des missions. Comment disponible. J'ai le permis B. Il reste encore C, D, H. Et permis E, apparemment, c'est les trucs militaires. On voit un char sur la remorque. Donc ça, c'est fait parmi d'un trophée permis E, finalement. Il faut vraiment attendre. Donc voilà, bon, c'était la petite balade du jour. Donc voilà, je vais faire une petite grande balade. Hop, attends, je vais virer ça. Vraiment très sympa. En plus, ça, le jeu a des musiques de malade. Vraiment trop bien quand tu conduis ton camion, c'est vraiment trop cool. Bon, et c'est tout, moi je vais vous laisser. Ciao tout le monde. Et à la prochaine. Ciao.